Bonjour les enfants. J'en ai marre de l'école. Vas-y, j'étais en vacances, c'était bien. Voilà, alors pour demain, vous allez lire tous les livres. Ah, je veux rien faire. Tenez. Quoi? Salut. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner et à cliquer sur la cloche. Et surtout, regarde la vidéo jusqu'au bout si tu veux que ton nom apparaisse dans la bulle magique d'une prochaine vidéo. Bon visionnage. Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qu'on est super content de faire. On va faire un collège VS primaire. Et surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, mettez un like, à vous abonner. Mettez un like maintenant s'il vous plaît, allez, 3, 2, 1, c'est parti, vous allez faire un like. Suivez-nous, c'est parti. Bonjour les enfants. Bonjour monsieur. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien. Attendez, monsieur caca, mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais qui a fait ça? Vous l'avez vu? Non, mais c'est n'importe quoi. Allez, retourne à ta place. J'en ai marre. Non mais c'est quoi cette histoire? Rien monsieur. Le premier jour de la rentrée, vous faites déjà des bêtises pareilles. Ah bon, allez, maintenant on va commencer tout de suite. Mais allez, non, au tableau, vous allez faire l'exercice. Allez, au tableau, vous allez faire l'exercice 1, 2 et 3. Et on sait pas c'est quoi les exercices. Allez, peu importe. Moi je suis au CP, je viens de rentrer, avant c'était le grand section. Allez. Bonjour les enfants, la rentrée commence. Non mais de quoi on fait passer à son professeur là? Allez. Non mais j'en ai marre de l'école, vas-y, j'étais en vacances, c'était bien. Non mais la rentrée. Oh, déjà la quatrième là. L'école vient de commencer. Allez. Allez, c'est bon. Mais je m'en fous de ton cahier là. De quoi? C'est pas une attitude là. Et d'ailleurs, on enlève les bonnets en classe. Check. Non, pas de check. Si, enlevez les bonnets en classe. Vous avez pris quoi comme fourniture scolaire? Vous avez lu quoi pendant les vacances? Allez, ton téléphone, tu me le donnes tout de suite. Bah non, c'est ma vie privée, qu'est-ce que tu fais ça? De quoi c'est ta vie privée? C'est pas une manière de parler à son professeur. D'ailleurs, c'est fini la primaire, maintenant on doit travailler tous les jours. Allez. Bon alors les enfants, voilà, alors pour demain vous allez lire tous les livres. Ça vous va? Bah oui, allez. Mais on est qui en CP? Regardez. Monsieur, on sait pas lire. Bah si, vous allez apprendre à lire pour demain. Et d'ailleurs, vous me ferez l'exercice 1, page 135. Mais c'est quoi 135? C'est le 100 avec... C'est les maths, vous allez faire toutes les tables. Et vous ferez aussi la page 136, 137. Vous êtes pas content? Moi je vais dire à maman. Bah votre mère va rien faire. D'ailleurs n'oubliez pas ce livre. Ce livre, regardez, Martine, non, tout ça. Bah si. Non, mais ne fais pas faire des devoirs. Ah, je veux rien faire. Tenez. Quoi, mais vous faites ça? Mais non. Vous êtes en primaire et vous faites ça. Tant pis pour allez, toi. Allez, prenez-moi ça. Moi, je pars de l'école. Et si c'est pas fait. Si c'est pas fait pour demain, gare à vous. C'est pas possible, ces élèves. La classe est déjà en bazar dès la rentrée. Allez, prenez ça, tant pis. Allez, au revoir. Non mais qu'est-ce que vous faites là? Vous fermez ça tout de suite. Ça suffit, alors on va donner les devoirs. J'espère que vous avez travaillé pendant 7 heures là. Je suis parti à une réunion, vous avez fait quoi? Non mais moi je travaille pas, t'as cru quoi? On est le jour de la rentrée. Non, la rentrée c'était il y a une semaine déjà. Et d'ailleurs je vais vous donner des devoirs pour demain. Allez, vous notez. Allez, des devoirs? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bah des devoirs, ça veut dire que tu vas devoir travailler pour demain. Non mais moi j'ai devoirs maison. Oui, moi j'habite pas dans une maison. Allez. Même si c'est dans un appartement, tu prends ton stylo et tu notes. Allez, c'est parti. Mais non, pas sur une règle, sur un agenda. Et vous notez. Et c'est bon, on n'abîme pas le matériel. Et puis vous jouiez à quoi là? À Minecraft. Tu jouais à un jeu vidéo pendant mon cours? Je joue à Fortnite. Non, mais c'est n'importe quoi. Bon, allez. Demain, si les devoirs sont pas faits, c'est une heure de colle. C'est une heure de colle pour tout le monde. Bah non, je vais pas le temps de rentrer chez moi. Je vais aller au McDonald's. Moi, c'est n'importe quoi. Bon, allez, moi je pars. Et demain, si c'est pas fait, punition collective pour toute la classe. Ça suffit. Allez, les enfants, un peu de calme. Oh, silence. Qu'est-ce qu'il y a? Ça suffit. On arrête de jouer. Je vais rendre les notes. Regardez ce que vous avez eu comme note. 0 sur 10. Et j'ai pas eu 0 sur 10, moi j'ai bien travaillé, maman m'a dit que c'était tout bon. Vous êtes bizarre. Regardez, trop tard. 2 fois 2, 0. Bah oui, mais c'est bon, mais on sait pas ce que ça veut dire. Bah vous savez pas, et vous avez lu combien de livres d'ailleurs? 0. 0 livres? C'est n'importe quoi. Et les devoirs que j'avais donnés ici? Bah je les ai pas fait, je sais pas ce que c'est. Bon allez, dehors, chez le directeur. Non. Et donnez vos jouets. Et en plus vous mangez des bonbons en classe. Non mais arrêtez. C'est quoi ça? Ça sert à la classe? Oui. C'est n'importe quoi.
Et pour demain, vous me ferez tous les devoirs et vous recopierez 50 fois. Je dois avoir des bonnes notes. Non, sinon, allez. Je dois avoir des mauvaises notes. J'ai le directeur. Non, c'est n'importe quoi. Pensez à tous vos camarades. Allez, c'est n'importe quoi cette classe. J'ai jamais vu une classe aussi pire que ça. Bon, allez, j'en ai marre. Ce monsieur a la classe. Bon, allez, les enfants. Les enfants. Enfin, les enfants, vous êtes plus trop enfants, mais bon. Allez, salut, j'espère que vous avez terminé. Non, j'espère que vous avez terminé l'évaluation là. Ouais, bah parce ouais, que là, je vais corriger, je vais vous donner une note. Vas-y, corrige, vas-y. Vas-y. C'est ça, tu me dis vas-y. Hein? Ah, d'accord, il y a intérêt à ce qu'il n'y ait aucune faute. T'inquiète. Punaise. C'est bon. Mais ça fait 10 sur 10. Bah alors ouais, que d'habitude, vous aviez toujours 0. Bah ouais. C'est n'importe quoi, mais comment vous avez fait là? Attends, rien. Levez-vous pour voir. Levez-vous, qu'est-ce que vous avez là? Qu'est-ce que vous cachez? Rien. Qu'est-ce que vous cachez derrière vous? Un téléphone? Non. Vous avez triché? Non. Vous êtes sûr que c'est ça? Vous avez triché? Non, j'ai pas triché. Bon allez, moi finalement je mets 0 et ça sera sur le bulletin. Voilà, 0 non. sur 10. Non. Si, d'ailleurs vous mangez quoi là? Ouvrez la bouche. Hein? Ouvrez la bouche. Un chewing-gum en classe, ça va pas du tout. Allez, par là et le téléphone, je le garde. Ça sera rendu aux parents et aux directeurs. Non, pas de bye-bye. La journée n'est pas terminée. Oh, n'importe quoi. Si j'avais que des enfants comme vous, ça serait catastrophique là. Bonjour les enfants, c'est juste pour vous annoncer que le maître n'est pas là aujourd'hui. Ouais. C'est la merguez. Merguez parti. Dans Cadabres. C'est pas fini. Les enfants, bonjour. Bonjour. Finalement, je suis là. Bon, j'espère que vous avez bien été sages oui, pendant mon absence. Vous êtes sûr, mais qu'est-ce que vous faites sur la table? Rien. Vous étiez en train de réparer. Oui, on était en train de réparer la lampe. Très exact. Et c'est quoi cette lumière là? Rien. C'est la fête ou quoi oui, ici? Non. Vous êtes sûr? Et on va l'éteindre. Et les autres élèves, pourquoi ils sont en dessous de la table? Et pourquoi vous êtes tous en train de jouer? Et allez, on y va tout de suite. Page 7, exercice 2. Allez, hop. Et plus vite que ça, on doit avoir fini le programme pour la fin de l'année. On est le 2 septembre, on est déjà en retard. C'est une blague? Bon, allez les élèves, désolé, le professeur est absent pour aujourd'hui. Il y a des bouchons, il viendra pas en place. Non mais allez, soyez sages quand même là, sinon je vous envoie tous en études là. Non mais c'est quoi ces manières? C'est quoi ces manières? Oh, allez, tant pis, tout le monde en études, vous allez faire des devoirs. Et pas de téléphone pour la journée. Non, mon téléphone. Tant pis, il fallait être sage. Vous avez des devoirs, vous avez le bac. Allez, non. Au revoir. Non, si. On n'a pas le bac. Non, si. Le brevet, tiens. Non, on a prenez pas ça brevet, hein. Et c'est bon, je vous emmène toute la classe dans okay, deux on minutes travaille. Si vous êtes pas prêts, ça va mal se passer, j'appelle le directeur. Ok. Alors les enfants, j'espère que vous avez bien écouté. Maintenant, on va passer au français. Donc... Ouais. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que vous faites? Mais c'est quoi ça? Mais c'est totalement interdit. Un skate à l'école. Et ça, redonnez-moi ça. Mais vous allez où là? Mais vous allez où? On va à la récréation. Mais non, mais même si ça a sonné, vous devez écouter le professeur. Écoutez-moi. Non. Bon. Toute la classe est punie de récréation. Et puis je confisque les bonbons. Non. Mais ces élèves font n'importe quoi. Attends, et puis j'ai encore un petit creux. Non. Revenez ici. Non. C'est n'importe quoi. Je ne me fais jamais respecter dans cette école. C'est n'importe quoi. Vous serez punis de tout ce qu'il y a dans l'année. Pas de sortie, pas de parc d'attraction. Oh, c'est vrai qu'on n'y va jamais de toute façon. Bon allez hop les enfants, tac dehors, c'est non, bon. Non, c'est froid, moi je reste là. Non mais attends, si c'est pour rester là, autant travailler. Non mais vous faites le bazar dans la classe là. Et oh, les affaires des autres élèves, respectez non. un peu. Mais vous pouvez pas faire ça. Allez tiens tes lunettes. Allez dehors, là, c'est la récréation. Non mais vous travaillez pas et quand c'est la récréation, vous voulez pas partir de la classe. Allez mais non, je veux pas moi, je alors faites ce que vous voulez, mais moi je veux me débarrasser de vous, c'est n'importe quoi. Non. Bah si. Moi, je suis pas payé pour faire la police. J'en ai marre. Allez, dehors. Non, mais moi, ça suffit. Pour payer, je m'en fous, moi, c'est allez, pas mon sort. Allez, dehors. Non, dehors. Et hop, ça sort. Voilà. Il y en a marre. Il est où? Oh, c'est pas possible, cette bande d'élèves incapables. Ils veulent même pas quitter la classe. En plus, elle a laissé son téléphone. Ça va? Oh, tu fais quoi avec mon téléphone, toi?
Alors, les enfants, maintenant, on va passer au second exercice. Alors, oui. Vous allez noter sur votre ardoise la réponse. Allez, 8 fois 8. Vous avez 3 secondes. 1, 2, 3. C'est quoi ça? Oui. Oui. Mais je ne vous demande pas si c'est oui ou non, je vous demande un résultat. Allez, on y va. Oh, mais c'est n'importe quoi, ces élèves. Alors, c'est non. Et la leçon du jour. Et puis, attends, c'est quoi cette télécommande? Et puis, c'est quoi ce téléphone? Vous utilisez un téléphone en classe? Bah oui. Vous croyez que c'est autorisé? Bah oui. Allez, faites 8 fois 8. Ça va pas du tout. Bah alors moyen si c'est pas oui ou non. Mais c'est pas possible. On n'aura jamais la réponse avec vous. Moyen. Bon, allez, allez au coin. Allez, moyen. Au coin, au coin, au coin. Et puis, non, enlevez-moi ces horribles. Enlevez-moi ça, c'est n'importe quoi. C'est à Disney, c'est vous mon êtes, doudou. Vous êtes des vrais bébés. Allez, au coin. C'est impossible de travailler avec vous. Et puis les autres, ils ont la réponse ou pas? Bon, bien sûr, tout le monde se tait, comme d'habitude. Ça vous fait rire? Vous allez faire un peu légal, c'est ça? Donc, je vous disais la leçon sur l'imparfait de... Ah, oh, là, je vais me recoiffer, là. Non, mais vous êtes en classe, là. Vous êtes en classe. Vous faites quoi, là? Un TikTok ou quoi? Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Bye, bye.